Voilà, c'est notre quartier général. Ici, c'est ton bureau. Et au fond, là-bas, c'est le mien. Eh bien, je vais te laisser travailler. Je m'appelle David Rivera. Comme on a dû vous l'annoncer, j'ai été affecté à ce commissariat. Je sais que vous avez perdu un collègue. Et j'en suis profondément désolé. Certains d'entre vous ont peut-être envie de quitter ce service. C'est normal. Mais je crois que la meilleure chose à faire, c'est de se remettre tout de suite au travail. Pour pouvoir faire ce travail, j'ai besoin que chacun d'entre vous s'implique. À 100%. Dehors, les délinquants ne se sont pas arrêtés. C'est à nous de nous en occuper. Commissaire Rivera, je sais que vous êtes venu ici sans voiture. Il y a déjà des ragots sur mon compte. Bizarre. Alors, on a pensé que vous pourriez utiliser la voiture du commissaire Fabry. Elle est garée juste là, devant. Oui, merci. Commissaire, on vous demande au téléphone. Déjà. Je vous le passe sur votre ligne. Rivera. Oui. Très bien, on arrive tout de suite. L'avocat Francesco Grossi, vous le connaissez? Maître Grossi? Celui qu'on voit sans arrêt à la télé? Il semblerait qu'il ait tué sa femme, il veut que ce soit moi qui recueille sa déposition. C'est parti. Bon, vous venez. J'ai vu que vous aviez un chien au commissariat. Oui, Rex. C'est pas un simple chien. C'est-à-dire? C'était le chien du commissaire Fabry. On ne sait pas ce qu'il va devenir. Bonjour, commissaire. Venez, c'est de ce côté. Bien escaté, cette bagnole. Commissaire Rivera, le cadavre se trouve de ce côté-là, dans l'autre pièce. Suivez-moi. C'est par ici, à gauche. Moi, je vais à droite. La scientifique est déjà au travail. Je vous préviens, il y a du sang partout. Je vous présente le nouveau commissaire, David Rivera. Bonjour, commissaire. Je suis à vous dans quelques minutes. Je préfère qu'on se tutoie. D'accord. Et Maître Grossi? À côté, dans l'autre pièce. Je vais le voir. Qu'il n'y a personne d'autre dans la maison. Helvecchio, viens avec moi. Alors, maître. Commissaire, ça fait plus d'une heure que je vous attends. Vous avez fait un détour. Ou alors, c'est pour prouver que la police restera toujours la police. Je vérifie les côtés nord et ouest. Moi, sud et est. J'ai rien trouvé d'intéressant. C'est quoi? Rien non plus. Vous devez vous sentir flatté que je n'ai accepté de parler qu'à vous seul. Franchement, la seule chose qui m'intéresse, c'est de chercher à comprendre ce que vous avez manigancé. Donc, vous dites avoir tué votre femme? Oui. Quand? C'était ce matin. Comment? Avec une statuette qui se trouvait là.
Et où est-elle, cette statuette? Elle est dans le Tibre. Je l'ai jetée dans le Tibre. Dans le Tibre, où exactement? Je l'ai jetée du pont Garibaldi. Pourquoi? Parce que ça me semblait être la meilleure chose à faire. Cet accident, il est arrivé en allant vers le Tibre ou en en revenant? Il est arrivé en y allant. Non, en revenant. Commissaire, je ne me souviens pas. J'étais sous le choc, vous pouvez comprendre, non? J'ai trouvé quelqu'un au sous-sol. Bien, j'arrive tout de suite. Préparez vos affaires, je vous emmène au commissariat. Réfléchissez à ce que vous allez me raconter. J'ai pas mal de questions à vous poser. C'est là-dedans qu'il dort. Il dort ici, dans le garage. Non, c'est pas vraiment un garage. Oh, réveille-toi. Ça pas nous qui vous êtes. Lève-toi, c'est la police. Allez, debout, il faut qu'on ait une petite discussion. C'est pas à moi. J'embarque tout, allez. Non, pas ça, les gars, ça me sert, j'en ai besoin. Ça va surtout servir à t'incriminer. Lève-toi, je t'ai dit, et dégage-moi cette main, faut qu'on parle tous les deux. Tu es le fils de Maître Grossi? Ouais, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais encore au lit? T'as rien entendu d'ici? Il y a eu un vrai carnage au premier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta mère a été assassinée. Julia assassinée? Julia? Oui, c'est pas ma mère, c'est ma belle-mère. J'ai rien entendu, j'ai rien vu et j'ai rien fait. Écoutez, je travaille toujours la nuit, je suis un artiste. Je finis souvent quand le jour se lève. Et en général, je bois un peu pour être sur la longueur d'onde qui convient. Le matin, pour moi, c'est la nuit et j'entends rien, vraiment rien. Et tu t'accroches une main au lit parce qu'avec deux mains, tu aurais trop de talent, c'est ça? Mais je suis somnambule. C'est pour ça que je me suis acheté des menottes et que je m'attache au lit. Est-ce que je voudrais parler quelques instants avec mon client? S'il vous plaît, vous pouvez nous laisser seuls? Bien sûr. Bonjour. Salut Elisa. Passez une bonne journée. Merci. Absolument, continuez à le chercher. Bon alors, Grossi rentre à la maison. Sa femme a découvert quelque chose sur lui et décide de lui en parler. La discussion s'envenime, il perd la tête et la frappe. Ensuite, il va au bord du Tibre, il jette l'arme du crime dans l'eau et rentre chez lui avec l'intention d'ouvrir la boîte aux lettres. Mais elle est trop solide. Alors il monte dans sa voiture, fonce dessus, récupère ce qui l'intéresse et le brûle. Il brûle aussi le disque dur. Ensuite, il vérifie bien qu'il n'y a aucune autre preuve. Et il se constitue prisonnier. Pourquoi ? Je n'ai rien trouvé, commissaire. Je suis désolée. J'ai vérifié tout le courrier, mais il n'y a que les factures habituelles. J'ai suspendu de l'ordre des avocats à deux reprises. Très bien, je vais y jeter un œil. Moi, je pense que c'est lui le point faible de Grossi. Du neuf sur l'amant supposé de sa femme. Tous ceux à qui j'ai parlé m'ont dit que c'était une femme fidèle. Personne n'a jamais entendu parler d'un amant. C'est ce que dit aussi son associé. Mais elle dit aussi qu'ils avaient des problèmes, qu'ils ne s'entendaient plus très bien. Il l'aurait tué pour ça? Qui c'est, lui? Ah, lui, c'est lui. Qui ça, lui? C'est Rex. Rex. Alors, il s'appelle comme ça? Ouais. C'est le chien du commissaire Fabry. Vous aimez les chiens? Pourquoi? C'est pas un chien policier ordinaire, vous savez. Un maître peut avoir une centaine de chiens. Mais un chien, lui, n'aura toujours qu'un seul maître. C'est mon grand-père qui me l'a appris. Regarde le ciel. C'est ce que je te disais ce matin. Les avocats sont pas au tribunal à cette heure-ci? Commissaire Rivera, vous faites quoi? Vous me suivez? Il faut que je vous parle, maître. Eh bien, appelez ma secrétaire et elle vous donnera un rendez-vous. Alors dans ce cas, je vous arrête. Vous voulez m'arrêter? Sous quel chef d'accusation? N'importe lequel, ça m'est égal. Vous donner en spectacle devant tout le monde, ça vous tente? Et tiens, va m'attendre à la maison, j'en ai pas pour longtemps. J'ai examiné votre dernière affaire, celle qui vous a valu votre suspension. J'ai trouvé tout un tas de vices de forme.
Mais pourquoi vous vous acharnez comme ça sur moi, commissaire, hein? Vous avez des aveux complets de la part de mon client. Mon rôle à moi est purement formel. Je ne vois pas où est le problème. Le problème, c'est que je connais trop bien votre client. Et je ne suis pas satisfait. Qu'y a-t-il derrière? Qu'est-ce que vous voulez savoir? La vérité. Je ne peux pas dire que j'approuve l'attitude de mon client. Tout ça pour un pauvre drogué. Moi, je trouve que ça n'en vaut pas la peine. De toute évidence, vous parlez d'Alessandro. Maître Grossi n'a pas assassiné sa femme. Vous m'en direz tant. Tout ça n'a été qu'une mise en scène. Et je peux même vous dire que mon client a un alibi, un vrai. Pour son propre fils, on est prêt à tout. Mais là, il y a des faits qu'on ne peut nier. Quand vous êtes rentré, votre femme était déjà morte, exact. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Ça ne peut être que votre fils. Maître Grossi. Il est tout le temps sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue. Et cette fois, c'est vous qui l'avez menotté à son lit. Après le crime, pour l'innocenter. C'est bien ça? Étant donné son état, Alessandro n'était pas en mesure de le faire lui-même. Commissaire, vous avez des enfants?